C'est la première fois que je viens ici. Je viens rendre visite à un ami. Ça fait des mois qu'il m'en parle de cette ville. Eh bien, me voilà. Ce mur en est le symbole. Vestige de l'histoire, il nous rappelle que ce pays, l'Allemagne, était, il n'y a pas si longtemps encore, coupé en deux. Dans les années 40-50, à l'époque où le mur n'existait pas encore, on pouvait facilement passer de l'Est à l'Ouest en prenant simplement le métro, en mode ni vu ni connu. Des millions de personnes se sont barrées de cette manière. Ce mur, il a été mis en place en une nuit seulement, par les autorités de la RDA. Oui, en une nuit. Ils étaient efficaces, les mecs, à l'époque. L'objectif était de stopper net l'exode vers l'ouest et donc mettre en place physiquement le rideau de fer. J'imagine qu'au petit matin, ça a dû leur faire un choc aux habitants. Surtout ceux qui avaient passé la soirée à l'autre bout de la ville et qui ne pouvaient plus rentrer chez eux. Des années ont passé et il n'est plus aujourd'hui qu'un support. Il a complètement été enveloppé de dessins et graphes en tout genre. Avec plus ou moins de talent, c'est très inégal. D'ailleurs, cette ville a été, j'ai l'impression, offerte tout entière aux graffeurs et autres artistes de rue. Il est difficile ici de trouver un mur non tagué. J'imagine que ça doit être ici une pratique bien vue et encouragée par les autorités. En voici un que je trouve particulièrement intéressant. Il résume plutôt bien l'histoire récente de la ville. Passage du communisme au capitalisme. C'est simple et efficace. Ça me plaît. L'art contemporain semble lui aussi avoir une place importante ici. Et pour être honnête, je ne suis pas très fan. C'est souvent froid et laid. Pour moi, l'art a toujours été synonyme d'émotion. Le contemporain a, lui, la fâcheuse tendance à se réfugier derrière le concept, ou pire, le clin d'œil. D'ailleurs, c'est souvent très faible quand on creuse. Je préfère le figuratif, comme cette sculpture, même si Amalin s'est senti autorisé à la customiser. Rien de plus laid que de gâcher le travail des autres. La couleur prédominante à Berlin est le gris. Surtout à cette période de l'année, le ciel est bas, très bas même. Il est juste au-dessus de nos têtes, prêt à nous gronder. On est début décembre, il fait déjà très froid. Un vent violent nous transperce la peau. Ça fait mal. On trouve dans la ville de nombreuses aires de jeux pour enfants, comme celle-ci. C'est sympa, parfois un peu glauque. Berlin a un côté post-apocalyptique. Moi j'aime bien ce genre de film où on s'imagine à quoi pourrait ressembler notre monde si notre civilisation s'effondrait. Pareil pour les films de zombies. D'ailleurs, je pense que Berlin ferait un merveilleux décor pour un film de zombies. L'erreur serait de penser que Berlin est une ville sale ou laissée à l'abandon. C'est faux. C'est juste qu'elle porte un costume, c'est son style, un style destroy, punk, visuellement pas très aimable. En cela, elle ressemble à ces filles un peu vulgaires mais désirables qu'on rencontre la nuit. Elle nous dit « Prends-moi comme je suis ou je t'emmerde ». Eh bien, on a envie de la prendre et la serrer fort car elle a un charme mystérieux. Quelque chose d'invisible mais de bien présent, quelque chose qui fait que cette ville a de la personnalité et qu'on s'y sent bien. D'ailleurs, j'ai été surpris par le sentiment de sécurité que l'on ressent ici à Berlin. Il y a très peu de tension, surtout comparé à une ville comme Paris. Les gens semblent apaisés. C'est d'ailleurs une impression que m'a confirmé mon hôte et ami Ryan. Pour vous donner un exemple, ici, une jeune fille pourrait rentrer à pied seule et tard le soir sans jamais se sentir en danger.
récupération fait partie de l'ADN de la ville. Tout ici est soigneusement trié et recyclé. De plus, les Berlinois semblent adorer tout ce qui est vintage. On trouve des friperies et autres magasins d'objets d'occasion partout. Voici Humana, le plus gros magasin d'objets et vêtements d'occasion de Berlin. Il fait 5 étages. Les prix sont vraiment raisonnables. Des vestes à 5 euros, des jeans à 2 euros, des chemises à 1,50 euros. Beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire aussi. On cherche le décalé, on est souvent à la frontière du mauvais goût. Certains n'hésitent pas à la franchir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici ce sont ce qu'on pourrait appeler les trash hipsters qui font la loi au niveau du style. Vous connaissez sans doute déjà les hipsters geeks ou bien les hipsters chics. Eh bien, les trash hipsters ont ce même souci de l'originalité et du décalage, mais dans un style clochard. Pour être au top de la mode à Berlin, il faut tendre vers le clochard. Sans évidemment jamais l'atteindre, car là, on aurait perdu. C'est une frontière très subtile que Ryan m'a expliqué. À vrai dire, je n'ai pas vraiment tout saisi. En tout cas, pour entrer dans les clubs les plus sélects de la capitale allemande, il faut avoir ce fameux style clochard. C'est très berlinois. J'aime bien regarder les affiches dans la rue. Ça permet de voir ce que les gens regardent, écoutent, ce qui se vend. Là, on a Joe Cocker, Scorpions et Zaz. Ah ouais, quand même. En même temps, elle est si clochard, c'est parfaitement logique. Passons maintenant à la bouffe. Ici à Berlin, le kebab est une institution. C'est même ici précisément qu'il a été inventé. Et oui, le plat phare de toute une jeunesse sortie faire la fête a été inventé ici même par un immigré turc. Si seulement il avait breveté et franchisé son concept, il serait aujourd'hui sans doute aussi puissant que McDonald's. J'en ai goûté un et ils sont très bons. La viande est fraîche, beaucoup de légumes. C'est assez sain. Enfin, pour un kebab. Il y a un truc qui m'a surpris à Berlin, ce sont les prix. C'est vraiment bien moins cher que Paris. Facilement 30-40% moins cher. Exemple, cette grosse part de pizza, très bonne au passage, m'a coûté 2,50€. La boisson, 1,50€. Voici un club maté, une sorte de thé gazeux. C'est très populaire. Une bière berlinoise. Voici quelques boissons locales, dont du Fritz Cola, c'est très apprécié ici. La nuit avance, les choses sérieuses vont commencer. Berlin est connu pour ses bars, ses clubs, sa vie nocturne. C'est pour ça que je suis là aussi. Je veux voir ce qu'elle a dans le ventre, cette ville. Premier constat, à partir d'une certaine heure, il est fréquent de voir des gens se promener dans la rue, une bouteille d'alcool à la main. C'est très commun et bien accepté. Pareil dans le métro. Souvent de la bière. Elle est très peu chère, autour d'un euro la bouteille dans les épiceries. Dans les bars, elle est à environ 2,50€. Donc forcément, on consomme. C'est très libre Berlin en fait. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a presque pas de limite. Ça fume de partout, aucune loi anti-tabac dans les établissements. Ça donnerait presque envie de m'y mettre. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment une ambiance bon enfant. On peut se foutre en chaussettes et s'allonger sur les canapés. C'est comme à la maison.
Après avoir traîné dans quelques bars sympas, on se dirige vers un des clubs cultes de Berlin, le Katerholzig. Pour l'occasion, on s'est habillé à la berlinoise. Rehan m'a un peu relooké. J'étais un peu dubitatif au début. Je lui ai demandé « T'es sûr qu'ils vont nous laisser rentrer avec ça ?» Il me répond « Évidemment, il faut être à l'arrache. C'est si t'es trop bien habillé qu'ils te laisseront pas rentrer. » Une fois devant le club, je vois qu'il y a une queue immense. Presque tous se font refouler devant nous. Je commence à avoir la pression. Puis, c'est enfin notre tour. La visagiste nous reluque attentivement. Un petit sourire se dessine sur son visage. Elle nous fait signe d'entrer. Ouf ! Rehan avait raison sur toute la ligne. On est rentrés comme des princes. Habillés en clodo, certes, mais comme des princes. Le Katerholzig est une ancienne usine désinfectée transformée en club. C'est très impressionnant. Ça ressemble à un immense squat. Il y a dans la cour des dragons en fer, d'immenses graffes, des statues mayas, des mannequins en plastique, d'immenses souris accrochées au mur. C'est un peu la boîte de nuit de la famille Adams. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la nuit. Dans la cour, des feux brûlent dans des barils. On peut venir s'y chauffer. Entre deux entrées dans l'arène sonore, on peut venir s'y reposer, discuter. On trouve des photomatons partout ici, dans les rues, mais dans les clubs aussi. Ça fait des vieilles photos en noir et blanc, très vintage. Les Berlinois adorent. Me voilà au milieu de l'arène. Ici, on écoute uniquement de la house. C'est un son très spécifique à Berlin. Il y a toutes sortes de gens étranges. Une jeune fille russe m'a particulièrement marqué. Elle m'a raconté que son esprit était envoûté ou poursuivi, je ne sais plus, par celui d'une vieille dame. Elle avait l'air très sérieuse, donc je le suis resté aussi. Dans la foule et l'obscurité, j'ai totalement perdu Rehan. Un mec m'a proposé de tester un produit illicite. Ça ouvre les vannes de notre réservoir à bonheur, m'a-t-il raconté. J'ai jamais su trop dire non dans la vie. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à quatre, trois garçons et une fille, enfermés dans une cabine des chiottes. Un des trois garçons, un grand barbu allemand, a sorti de sa veste un sachet transparent contenant des petits cristaux blancs. On mouille son doigt dans la bouche, puis on le plonge dans le sachet. Les cristaux se collent au doigt, puis on les met dans la bouche. C'est comme quand on était gosse et qu'on ramassait avec son doigt du sucre resté sur la table. Sauf que là, c'était pas du sucre. J'imagine que l'on doit tous ressentir des choses différentes avec ce genre de produit. Moi, je me suis senti d'un coup très calme et lucide. Un peu trop même. Pas le meilleur état d'esprit pour faire la fête. Du coup, tout paraissait un peu ridicule, sans intérêt. Le son était infernal et j'étais entouré d'une armée de zombies. Si l'enfer existait, ça pourrait ressembler à ça. Des bruits assourdissants, des gens hypnotisés comme dans le joueur de flûte de Hamelin, et puis moi, au milieu de tout ça, seul, exclu. Je commençais à avoir des regrets. J'étais bien à la base, et là, je me sens tout con. Il est 9h du matin et j'ai un avion à midi. Je retrouve enfin Rehan, je fonce à l'appart pour
prendre mon sac et direction l'aéroport. En passant devant un miroir, je m'aperçois que j'ai les pupilles totalement dilatées. On dirait une bête sauvage. Comment vais-je faire lors des différents checkpoints? Ils vont griller, c'est sûr. La scène de l'aéroport dans Midnight Express me revient en tête. En même temps, c'est pas comme si j'avais quelque chose d'illégal sur moi. Enfin, à part dans mon sang. Tant pis, on verra bien.